Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, ça va comme toujours. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un petit mode sur Euro Truck Simulator 2 et on voit ça tout de suite après l'intro. Donc les gars, comme je l'ai dit, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un superbe mode signé Max2712. Donc on est sur le mode Scania Next Gen E6 Sound Mod by Max2712 en version 5.6. Donc l'update elle est sortie le 25-12-2021, donc le jour de Noël. Merci Max pour ce superbe cadeau. Et du coup, vous pouvez observer ici le changelog pour la version en 5.6. Donc on aura le changement du coup pour la version du jeu en 1.43. On aura donc le... Bah du coup l'ajout de l'atténuation dans la cabine parce que bah du coup on a en 1.43 on a cette nouveauté qui a fait son apparition. On aura les nouveaux sons de turbo, après on aura donc des nouveaux sons de soufflement de turbo à certains régimes moteurs. Et ensuite on aura un nouveau son de frein moteur. Et ensuite on aura des petits changements et optimisations de volume dans toutes les pistes sonores. Donc ça du coup ce sera les petits changelogs, les changements qu'on va pouvoir observer pour la version 5.6 de ce mode. Donc là vous avez une petite vidéo sur la page YouTube de Max2712, une petite vidéo de présentation comme toujours. Et ici on peut retrouver donc les liens de téléchargement qui nous met à disposition. Donc là vous avez deux liens ShareMod et ici vous avez deux liens Steam, donc après à vous de choisir tout simplement lequel vous voulez choisir. Une fois que c'est fait, on se retrouve tout de suite en jeu pour découvrir ce merveilleux mode. Donc là les amis, comme prévu, on se retrouve en jeu. Donc moi je suis derrière mon petit volant, là on a lancé le jeu. Et comme prévu, vous avez téléchargé le mode et installé le mode. Donc que ce soit en lien ShareMod ou par le biais du workshop, vous avez installé votre mode bien sûr, dans le gestionnaire de mode du menu d'accueil. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Options et Options Audio. On va aller régler notre son intérieur, donc volume des sons intérieurs, à 50%. Donc il n'y a pas de pourcentage, mais bon, vous savez que ça représente 100, au milieu c'est 50. Donc on essaye de se mettre à peu près au milieu, 50%. Et donc ça c'est pas mes réglages, hein, c'est Max qui les préconise, Max2712 donc le modeur. Donc il préconise volume des sons intérieurs à 50%. Maintenant on peut quitter les paramètres. Et très important, là vous pouvez voir que du coup j'ai mon Scania habituel de tout le temps, de toujours, et il est loin d'être d'origine. Donc il y a des modes qui datent pas mal quand même, et il y a du local mode et des modes locales. Donc du coup, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que les nouveaux modes ne sont pas les anciens modes, pardon, ne sont pas faits pour être entre guillemets utilisés sous la version 1.43, parce que tous les modes intérieurs, extérieurs, châssis, etc., tout ce que vous pouvez voir, non pas ce fameux fichier de configuration sonore d'atténuation de la cabine. La nouvelle fonctionnalité qu'on peut observer dans la 1.43. Donc du coup, là vous pouvez voir qu'on va faire conduire. Et le mode ne va pas faire son effet. Voilà, là on n'a pas de mode son. Donc ce que je vais vous faire comprendre, c'est que si vous installez le mode et qu'il ne marche pas, c'est que vous avez des modes qui rentrent en conflit avec. Là on va prendre un Scania Full Origin. Là on se retrouve dans la cabine d'un Scania Full Origin et comme vous pouvez voir je vais mettre le contact. Voilà, et là directement ça fait les bruits intérieurs, le mode son est rentré en compte du coup. Et là ben, du coup vous pouvez voir et entendre. Voilà, donc voilà, donc là vous pouvez bien vous rendre compte que le mode a bien été activé et est bien rentré en compte. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo les gars. En tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. C'est une petite vidéo de présentation comme j'essaye de le faire plus souvent maintenant. En tout cas merci vraiment à Max2712 et puis à tous les modeurs hein, qui font du superbe travail. En tout cas, la sortie le 25, franchement ça fait plaisir, petit cadeau, c'est le plus beau des cadeaux, un mode son sur Euro Truck, franchement il n'y a pas mieux.
N'hésitez pas à télécharger le mod, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à faire des retours à Max, à le suivre aussi sur sa chaîne YouTube, à mettre des petits commentaires sur ses vidéos et des likes, ça fait toujours plaisir et ça encourage vraiment à faire du bon travail, sachant que là c'est vraiment du très très bon travail. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine les gars, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis bah prenez soin de vous, à la prochaine pour de prochaines vidéos. Bye!